L'histoire qui est arrivée à la famille. J'ai un frère, il s'appelle Célian, cuisinier depuis sa naissance. Mon meilleur pote, Jacob Rivera, 20 ans bientôt, et qui vit déjà seul dans son propre appart et photographe en temps partiel. Et ma chère maman, Louise, travailleuse dans un journal. Je vais vous raconter l'horreur qui est arrivée. Je vais dans la chambre.
fermée. Ça va? Ouais, quoi? Ça va. Allez, ferme la porte. J'ai une vanne de fou, là. Ouais. C'est vrai qu'il fait pas très beau. Non, alors? Tu en fais le temps? Bah, écoute, pas plus chez toi. Hein. Ça va. C'est mon anniversaire. Eh oui, je sais, mon anniversaire. Merci. Dis-moi, Maranza, t'aurais vu ma mère? Ta mère, non. Non, parce que ce matin, je n'ai pas aucune nouvelle d'elle, ce qui est bizarre d'elle. Bah, en fait, tu sais que ta mère, elle sort tout le temps, donc... Oui, mais bon, mon maman m'envoie un petit message, je crois. Elle travaille pas? Ben, là, en ce moment, non, parce qu'elle est en arrêt, mais elle reprend dans les 3 jours. Voilà. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as à miauler, toi? Elle avait des câlins. Non, je sais pas ce qu'elle a depuis ce matin, elle fait que miauler, et elle reste avec moi, elle fait que ça, je comprends pas. Est-ce qu'elle a flou au nez? Ouais, je sais pas. Ah, comme d'hab, quoi. Ouais, on a toujours fait ça. Tu veux boire quelque chose? Ouais, c'était du coca. Ouais, je te cherche ça. C'était matinal, hein, parce que normalement, tu sors du lit plus tard que ça, à la base. Hein. Ben, écoute... Entre le chien et le chat, ce matin, ça ne s'arrête pas. Mais pourquoi ils en ont? Ouais, derrière toi, mais il n'y en a plus, je crois. Putain, tu veux le seul truc à faire? Il y a une fois. Voilà, t'as fait la brique ou quoi hier? Oui, un peu, je suis un peu fatiguée, je t'avouerai, mais ça va. Ça m'étonne pas. Putain, mais t'entends? Il s'arrête mais pas, c'est quoi, je te jure. Genre, je sais pas, il y a un truc. Bon, t'es prête là ou pas? Non, je vais m'habiller. Bon, ben, tu vas t'habiller et après on se casse. Vas-y, ça marche. Je t'ai prévu un truc. Ok, trop bien. Bon, allez, j'y vais. Ouais. Et du coup, je fais quoi? Moi, je vois comment avec ça là. Ben, tu trouves un verre dans la cuisine, c'est pas comme si tu connaissais pas la cuisine depuis maintenant 18 ans qu'on se connaît. Et tu te. Un peu d'énerve de quelqu'un, tu te dis. Je vais me préparer, dans 5 minutes, je suis là. Hein? Ouais. Dans un petit coca, il arrive. Bah, il va te chercher pas, ça va, ça va, ça va. Oh là là, toujours tout le budget, ouais. Bah, ouais. Je sais pas si c'est bon. Bah, oui. Bon, allez, on va mettre ça. Elle fait comme miauler ta chatte, c'est bizarre, hein? Ouais, mais t'inquiète! Allez, j'arrive! Ah, ça c'est bon. Je suis sûr qu'il a ma mère au téléphone, il prépare un truc. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la douille. Allez, on va retourner les couilles. On est paré. Ah, c'est un truc de fou, il y a des mouches partout chez toi. Oh, c'est quoi ce délire là? Mais il n'y a jamais eu autant de mouches. Mon père, il a mis ça hier exprès. Mais il n'y en avait pas tout à l'heure des mouches. Ah, ça va trop bien. Ah, c'est toi, c'est ton anniversaire là. Oui, attends, c'est 18 ans, j'ai le droit à avoir ma couronne sur la tête. Bah oui, forcément, 18 ans, ça se fait qu'une fois dans sa vie. Voilà. Donc, voilà. Donc. Et tu vas pas avoir froid là, il y a du vent et tout dehors. T'inquiète, je vais trouver des petites vestes sinon. Mais bon, il fait chaud quand même, il fait 30 degrés. On prend le chien avec nous? Tu veux prendre le chien? Ouais. Si tu veux, mais je trouve que c'est un peu agité pour les animaux là. Ouais, t'inquiète, bon, vas-y, je vais l'ouvrir. Allez! Jacob! Jacob, c'est toi, Jacob! Smoke! Oui, le gros! Ouais, t'es où? Le gros! Oui, t'es le gros! Oh, ouais, directement les câlins! Oh, les câlins! Ah oui, tu connais Jacob, hein? Oh, oui! Tu connais Jacob, hein? Oh, tu veux mordre ta patronne, quand même? Tu sais comment il est, je comprends? Eh, Jacob, pourquoi je dis Jacob, je comprends? Alors, c'est Smoke!
Il est beau, il devient de plus en plus beau, c'est ouf. Hein. Mon petit Dobbs. Il met de l'eau partout. Doucement avec tes pattes. Doucement trop. T'as la laisse et tout pour le coup. Ouais. Calme-toi, c'est bon. Allez, stop. Il est un peu excité en vrai. Stop. C'est bon. Tu vois, on dirait qu'il ressemble quelque chose, je sais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a dit bonjour. C'est bon. On va promener? Je sais pas, il est bizarre en vrai. Il est pas comme ça d'habitude, il est excité, mais il est pas. Il est très calme de base. Ouais, ouais. Doucement, doucement. Doucement. Ton cœur, il bat 1000 à l'heure. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Oui, c'est bon. Allez. Oui, allez, on va faire la promenade. Tu te calmes. Viens ici. C'est bon. Attends, je te le tiens. Ça va, laisse ouvert. T'as vu le vent qui fait ou quoi? Quand tu pleures, ça va, il fait chaud. Il y a les filles. Oh, c'est pas moi. Ah, c'est cool, je fais le même truc. Oh, c'est bon, j'ai envoyé le message à Jacob. En plus, t'as mis une chemise pour mon anniversaire. Ah, quand même, on peut faire la même chose. La pâte. Il y en a trop, hein, on est d'accord? Ouais. Ça ira. Allez, le poulet, c'est envoyé. Oh, c'est sale comme ça sort. C'est l'arrivée. C'est prêt, vous pouvez rentrer. Ok, on est sur le chemin du retour. A tout à l'heure. Tu veux rentrer? On y va? Ouais, on y va. Allez, vas-y. Si tu veux. Allez. Ouais, on regarde l'heure parce que Amy n'est pas là encore. Elle n'est pas encore là. Hein. Quelle heure il est? 8h. 8h, on avait rendez-vous à 7h30. Elle est en retard, ouais. Comme d'hab. Hein. Ouais. Comme à son habitude, hein. Ouais. Ouais, ça change pas. Mais on a parlé. Pas grave, on boit l'apéro. Ouais. Ce matin, on a parlé au téléphone. En plus, elle me dit ouais, c'est amis, c'est bon, je suis là. Surprise! Ça va ou quoi? Ben, ça va et toi? Ben, nickel, hein? Moi, c'est bien. Ça va toi? Ça va. D'accord, ben. Je suis un peu retardé. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Ouais, bon anniversaire, Amy! Voilà, joyeux anniversaire! Merci! Hein. Oui. Oh, 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 c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est encore? Oh oui! C'est joli ça! Tu me vois pas ton problème la tête? Après, il y en a plus. Alors, tiens. Ça, c'est pour toi, ça. Ah, ben attends, mais garde-la, l'assiette. Ah, ben vas-y, tu la gardes. Oh, là. Oh. Ah, t'as fait trop mal. Ah, t'as mis deux dents, ouais. Ouais. Pas mal. Ah, mais tu dois former, ici, hein. Mais du coup, voilà. Moi j'ai une petite surprise pour toi. C'est mieux, je voulais prendre la plage de 2500, vous avez vu comme ça. Ah oui. Mais après ouais, tu veux dire. Attends. Bah là, voilà. Oh, waouh. Oh, sexy. Ça c'est stylé aussi ça. Oh 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 oh. Il manque plus que moi. Attends, je vais la ranger. Le meilleur pour la fin. Ouais.
C'est ça? Oui. Tu vas? Allez. Quoi? C'est une. Et attends, t'as installé deux autres sur ton PC déjà dans la vie. Oh, je ne sais pas si. Au travail et des citadines. Oh, c'est bien. Elle va marcher ça. Non, elle est allez, à tes 18 ans. Ouais, à tes 18 ans. Allez. C'est blanc, c'est pas de l'eau. Bon, mais tiens, bah, on va aller se faire un peu de nourriture. Bon, on va voir qu'est-ce que c'est ça. C'est bizarre quand même qu'il y ait un message comme ça dessus. C'est trop chelou, c'est trop chelou. Mais celle-là, je vais me mettre en pyjama. Oh. On voit un peu ce qu'on a sur les réseaux. Allô? 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 Vous pouvez parler? Mais qui êtes-vous? Voilà. Je vais regarder cette boîte. C'est bizarre. Je cache ça. Et je vais dormir. Hop.
rien de mourir. Les habits, oh, jogging, parfait, avec ça. Toi, t'es en train de me faire flipper. Ça commence à faire beaucoup là. Allez. Oh, j'ai oublié de pas mettre celui-là de haut. Merde. C'est pas grave, c'est pas mon problème. De toute façon, c'est pas vrai. Je peux pas mourir. Allez. Et toi? Oh là, c'est pour ça. Je suis fatiguée là, j'ai pas fait mieux de ouf, c'est pour vous. Enfin bref, sors-tu en arrivant? Mais j'ai arrivé quoi? Bah, je peux m'arrêter à la fin. T'as le temps de. Et voilà, d'accord. Voilà. Ok. À quelle heure, Fouzon, ça va? Je sais pas, voir ce que tu veux. Mais attends. Il va prendre un. Ouais, bien, je suis vert. Enfin, on va prendre une après-midi tranquille, tu veux. Oui. Donc, ouais, je sais pas encore. Ok. Voilà, je vais aller manger. Il y a du temps qu'on peut pas ramener. Ouais. Donc, ouais, je vais dire ça. Je t'envoie un message. Ok, ça marche. Ouais. Ouais, bisous. Tout à l'heure. Allez, à tout. Ouais, bon appétit. Merci, toi aussi. Merci. Après, je peux l'appeler, je peux voir. Non, il va pas vouloir venir pour l'étude. Fatiguée. On le connaît. On le connaît, c'est comme il est. Non, mais tu comprends, franchement. Bon, mais écoute, on va attendre un moment. Allez. En attendant, il faut que je te parle. Vas-y. Allez. Vas-y. On y va. Bon, il faut que je te parle. Qu'est-ce que t'as à me dire encore? Faut que je te parle de quelque chose. Comme quoi? Mais il se passe des trucs là. C'est quoi ça? C'est rien. Non, attends. C'est qui qui t'a envoyé ça? Je sais pas, je l'ai reçu le matin de mon anniversaire. Devant la porte. Et depuis quand tu ne m'en parles pas? C'est déjà passé. Et... Ça fait 2 jours que tu le sais? Ben depuis mon anniversaire! Mais tu te souviens de quoi? Ça me décolle? Je pouvais pas l'ouvrir! Tu pouvais pas l'ouvrir? Et tu peux pas m'en parler? Et tu peux pas m'en parler? Non? Ben non! D'en parler à Jacob, non, c'est trop compliqué! Tu vas vouloir pour ça? Ben oui! On se dit toujours tout! Ben c'est bon, c'est bon, c'est ça.
Tu m'en parleras quand tu seras conduit. Non, mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on se passe? Où tu vas? Non, mais je vous la prends à maison, je veux pas avoir une vie, elle m'a donc. Non, mais ça y est! Je vais voir Jacob. Non, non, toi tu restes là, tu vas dans ta chambre. Mais. Non, je parle! C'est du genre, tu crois que j'allais! Vraiment, plus me le tire plus tôt, André. Pas dans ta chambre! J'ai toujours pas regardé. T'as rien à foutre. Casse les couilles, putain. C'est lui qui part comme ça, là, mes frères. Et en plus, il ferme pas les portes. Oh! C'est pas possible, ça! Vas-y, casse les couilles. Je suis plus batterie en plus. Je vais envoyer un message quand même. Ça sera beaucoup mieux de venir. Ça m'a trop gonflé. Allez, retourne là-bas. Désolée de t'avoir caché ça, on peut en parler. Rappelle-moi pour qu'on en parle, s'il te plaît. J'aime pas qu'on se dispute. Ça fera l'affaire. Par contre, c'est pareil. Voilà. Et la vieille qui râle là-bas, elle casse la tête, elle aussi là. On me dit, ouais, tu sors pas à 18 ans. Vas-y, pff. Qu'est-ce que c'est, Nico? Bon, allez, on va dormir. D'accord. Alors. Désolé de t'avoir caché ça. On peut en parler. Rappelle-moi. Oui, oui, oui. On va à ça, demain. C'est bon. Mon conflit. C'est l'heure déjà. Qu'est-ce qu'il m'a répondu, Jacob? Putain, il a vu le message, il a pas répondu. Il est sérieux, lui? Oh, je me réveille énervée, là. Pff, allez, je vais m'habiller. Je vais allumer la lumière. Putain, je vais m'habiller. Je vais aller voir, tu vas voir. Oui, j'arrive. Oh. Oh. Tu fais un braguette? Ah non. Forcément, je ne peux pas. Je suis désolée de te l'avoir caché, mais attends, je ferme. Bon, écoute, je vais tout te raconter. Mais il faut le dire pas à personne. T'as compris? Oui, je dirais. Je suis couché tard en poussière. T'as lu mon message? Oui, j'ai lu, mais j'ai pas répondu. Et pourquoi? Ben parce qu'on se faisait la tête, je me suis fait la tête avec toi hier, et j'ai dit, sinon, on verra ça demain. On verra ça demain. Tu pouvais pas répondre. De toute façon, c'est très bien que si c'est moi ou toi, chaque fois. Oui. Je sais même pas pourquoi tu reviens tout à l'heure sur le sujet, parce que chaque fois, c'est toujours la même histoire. Ouais, mais tu réponds pas, machin. Et l'un des miens, il vient toujours avec ça, donc. Et c'est pas toi qui me donne, c'est moi qui te donne le nom. Bon, écoute, je vais plus te raconter l'histoire. Quand t'es venu avant-hier, le matin, je me suis levée, je suis allée prendre mon petit-déj. Et en fait, une fois que j'ai fait mon petit-déj, je suis partie pour aller dans ma chambre et la porte de l'entrée, elle s'est ouverte toute seule. Je me suis dit, il y a un courant d'air. Vu le vent qui fait dehors, je me suis dit, il y a un courant d'air. C'est le même jour aussi. Oui. Je me suis dit, il y a un courant d'air et tout, j'ai refermé. Et en fait, je suis partie.
Et au moment où je pars pour aller me préparer, parce que je savais qu'on devait se voir, de venir à la maison, et ben quand je suis revenue pour... Et quand je suis allée préparer, la porte, elle s'est réouverte. Donc j'ai regardé, j'ai fait ça, il n'y avait personne, j'ai pas compris. Et après j'ai trouvé cette boîte que t'as vue. Les mouches, tout bordel, c'est normal ça, là ? Pas normal ? Non. On n'a jamais vu comme ça ? Non. Le chat qui a mis une gueule, alors que tu peux même pas l'approcher. Il y a pas autant, Tu peux même pas l'approcher, ce chat là-bas. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que tu viennes une soirée à la maison et tu vois ce qui se passe. Ouais, moi, je vais me faire passer de l'eau, que tu me racontes et tout ça. Mais tu vas pas dire ça. Déjà, tu dis que tu vois des ombres, des machines. Je te jure, si je vois une ombre, je mets une patate. Hein. C'est une ombre, tu as pas fait travers. Oui. Et c'est pas ta mère ou quoi qui fait. Non, ma mère, elle dort. Elle ça va pas s'amuser. Dans le soir. Mais là, quand j'ai reçu la boîte, c'était le matin, quoi. Le jour de mes 18 ans. Mais tu sais pas que c'est que t'as envoyé ça ? Non. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de prénom, il n'y a rien, il y a juste des messages. T'as pas eu de message ou numéro ? J'ai eu un appel. Un appel de qui ? D'un inconnu avec une voix assez grave, je sais pas qui c'est, et ça m'a dit, ouais, si tu le casses, il y aura des conséquences, ou je sais pas quoi. Bon, écoute, on va voir déjà ce qui se passe. Et après, on envisage. S'il faut en parler, on en parle. Ouais, déjà. Bon, allez, on y va. Mais je ne sens pas du tout. Prends tes affaires, on y va. Ouais, vas-y, il faut partir. Les bonbons. J'ai reçu. Bon, seulement quand tu seras sale. Ça, déjà, que ça, c'est un peu bizarre. Ouais. Et à part, tu sais vraiment pas de qui ça vient, ça. Non, il y a pas de. Enfin, il y a un mot, il n'y a pas d'auteur, genre. C'est quoi chelou. Hein. Mmh. En plus c'est livré, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Wow. Et ça c'est ce que tu m'as dit que tu avais lu là. Ouais. Oh, c'est bizarre. Hein. Déjà comme c'est écrit, c'est un peu. J'ai du mal à lire quand même, hein, je t'avouerai. Mais j'étais. Cher Amy, en vue de tes 18 ans, voici ce présent. Mais prends garde de. Le tenir très fort, ne t'avise pas de le faire tomber ou il t'arrivera des malheurs toute ta vie. Il est tombé la dernière fois. Et t'as eu un truc ? Non. Non ? Bah, j'ai juste fait un cauchemar. Et c'était quoi dans le cauchemar ? Bah, mais moi je me rappelle pas. Hein. C'était un rapport avec ça ou pas ? Non, il n'y avait pas de diamant dans mon cauchemar là. C'est tout ça, oui. Il n'y avait pas de bijoux quoi. C'est un bijou, mais ouais, c'est un diamant. De toute façon, tu dors à la maison ? Oui. Ce soir, tu verras. Il va pas me faire des coups de frayeur, si c'est pas vrai. Hein. Ah non, moi je dors, hein, je suis désolée. Si. Je vais mettre là-bas. Moi perso je vois un truc comme ça, je. Ça fait flipper quoi. J'ai rien à prendre. 48 de ping, ça va. On va où ? Bah parce que sinon on va faire. C'est horrible. Pourquoi il y a des endroits que j'ai pas reconnu là. On sait quoi, tiens, je vais aller me changer. Je vais finir la partie. Non mais t'es sérieuse là, t'as. Quand elle a commencé la partie, elle me la laisse. Elle va changer, vas-y. Et du coup je dois aller là-bas moi, ouais. Passionnant ça. Tu me vois comme une merde. Ça y est, je me suis changé. Ah ouais ? Ouais. Non ! Non ! Putain, mais tu peux. Mais non, mais. Mais je sais pas.
Putain, mais ça bug. Oh. Oui, je... Mais non, mais vas-y. Non mais sans déconner. Pourquoi tu riches? Toi ça marche bien mais moi ça marche pas. Oh, t'es prêt à avoir des ombres? Hein? T'es prêt à voir des ombres au fond? Oui, plutôt. Oui. Ouais. Putain, des chandeliers, ça pue. Chaque fois, c'est pareil. Super vite. Bouillon. Bonne nuit. Jacob! Jacob! Réveille-toi! Jacob! Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as? Il y avait une ombre là sur moi! Où il y a une ombre? Quoi? Où ça? On est parti! Putain, quelle heure il est? Je sais pas, il doit être 4-5 heures, j'en sais rien. Putain. Ah, sursauté. On décolle quoi. Il n'y a rien du tout là. Bon, je vais chercher de l'eau. On dirait toi, je sais pas, on dirait... Moi, je te jure. Moi derrière moi. Je te jure que c'est vrai. Oh putain, ça m'a foutu une frisson là. Non. Oui, c'est pareil, ça c'est pareil. On dirait moi derrière moi. Je te jure, elle aurait dit toi, mais différente. Je sais pas, bizarre, elle était style un peu creusée, bizarre, je voyais pas trop. Faut parler à Célia, ma mère. Ah, mais je veux pas rester comme ça, tu veux que je me vois là. Non mais attends. Et ça te fait comme ça depuis que t'as eu le machin là. Mais c'est pas droit que je vois moi. Ah putain, je suis pas bien. Peut-être parce que t'as regardé dans la boîte. Mais c'est toi qui as voulu me montrer un peu ton machin là. Oui, ben attends, tu m'as pris presque la tête parce que je t'ai pas montré donc. Il faut aller à dormir avec ton truc là. J'ai perdu ma tête. Non, mais c'est bon, moi je me lève. Faut aller prendre le petit déj. Ouais. Avant que ma mère elle parte comme ça. C'est bon, je me casse. On verra ma mère. Oh putain, il me fout une frisson. Ouais, grave. La télé, elle était pas allumée. Je sais pas. Oh ben, c'est bizarre, on aurait vu ma mère vu l'heure qu'il est. Oh, j'ai... Ah, c'est l'appel. Ça va, bon. Elle est pas censée être là, ta mère. Allez. Attends, je vais aller voir. Maman Jacob, viens. Ma mère, elle bouge plus. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais maman, t'as vu? Elle bouge pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Louise, mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, attends, j'appelle Célian. Oui, dépêche-toi, réveille-toi.
Sans déconner, regarde hein. Tu blagues ou quoi? Elle bouge plus. Oui. Ouais, allô, j'ai maman qui bouge plus là, je sais pas ce qu'elle a, c'est bizarre, viens vite s'il te plaît. Bah vas-y, j'arrive, à de suite. Et pourquoi elle est pas au travail devant ma vie? Elle travaille, non? On s'en fout, attends. Moi, c'est pas le col, hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? Et elle se réveille pas, son cou est pris, elle est normale. Et il y avait ça sous son bras. C'est quoi ça? Appelle les pompiers. Mais elle se réveille pas. Louisa! Appelle les pompiers. Non, mais ça déconne, t'as vu ce qu'elle a marqué? C'est... Elle a pas fait un tatouage, ta mère. Mais non, elle a pas fait de tatouage, je l'aurais su quand même, c'est ma mère. Louisa! Non, mais ça déconne, là. Maman! Louisa! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Je te laisse en parler, c'est pas moi. Je dois vous dire quelque chose. D'abord, et quoi? Vous expliquer un truc que j'ai eu. On va dans le salon pour en parler. Allez, viens. Là, c'est pas normal. Oh, attends que je me remette de mes émotions. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Ouais. Voilà. Non, ça me dit pas, c'est une blague par contre. Hein. Ouais, ben, c'est de ça qu'on va parler. C'est quoi de ça là? Ouais, c'est ça là. Vous l'ouvrez? Tu veux l'ouvrir? Non. Tu veux la réouvrir? Oui, je la rouvre. Ah, tu remontres ce qu'il y a à l'intérieur? Ou je le fais? Fais-le. Je ne touche plus ta mère, hein. C'est bon. Il y avait ça dedans. Et tu fais passer. T'aurais dû en parler depuis le début. Mais tu me croyais pas. Pourquoi t'en as pas parlé avant? C'est une blague. T'as aussi 5 ans. J'ai l'air de blaguer là. T'as aussi 5 ans. J'ai reçu ça le jour de mon anniversaire. Devant là. Et t'attendais quoi pour me le dire? Tu penses qu'il y a avoir des problèmes, c'est mieux encore? Tiens-moi informé quand il y a des trucs comme ça, putain. C'est n'importe quoi, je sais même pas ce que. Je sais même pas ce que ça fout là, tu vois, t'as aussi 5 ans. Je l'ai reçu le jour de mon anniversaire. Devant. Il n'y avait personne, pas de trucs. Mais c'est passé quoi avant que tu ressens ça? Ouais, je prenais mon petit déj comme tous les matins. Je suis en train de prendre mon petit déj, ma maman elle était pas là. Je me suis levée. La porte s'est ouverte quand je voulais aller me préparer et j'ai chopé la boîte avec moi. Mais t'as vu personne te la mettre? Cette boîte là, t'en as fait quoi de ça? C'est vrai que tu m'as jamais parlé, moi. Ici, je t'ai déjà dit. Il n'y a pas de nom avec. Je l'ai reçu comme ça, il y avait personne. On t'a déjà dit. On t'a déjà dit. Enfin, je peux lire. On t'a déjà dit de nous le dire, ça. Quand il t'arrive des choses. Cher Rémi, en vue de tes 18 ans, voici ce présent. Mais prends garde à ne pas. Très fort, mais c'est difficile à écrire. Toute ta vie, et tu le regretteras toute ta vie. En effet, c'est chelou comme tu dis. Mais d'accord. Ouais. Je me demande ce que ça signifie. T'as fait un pacte? Non, pas de pacte, je veux pas faire le pacte avec une personne. T'as parlé toi? T'as dit quoi? Elle m'a parlé, mais pas comme elle a dit. Elle t'en a parlé 40 ans, ça, parce que je ne crois pas. Mais il y a deux jours, même pas. On dirait un truc parchemin, on dirait un truc malédiction, ça. C'est moi ou elle a bougé toute seule avec la boîte, là? Tu vas me dire que ça, c'est un truc qui te manipule, encore. T'as bien vu que la boîte, elle a bougé toute seule? Oui, mais j'y crois pas. C'est pas normal. Bon, vous savez quoi, moi, je m'en vais. Papa, toi tu caches des choses, tu dis ça trois jours après. On t'a déjà dit de nous tenir informés quand il se passait des choses bizarres, putain. Bon, moi je me taille. Célia? Non, il n'y a pas de Célia. De papa? Je crois pas de ces trucs-là, j'ai la chair de poule, vous me faites flipper, là, moi je me taille, tiens. Ouais, allez.
Ça t'en aura mort tout le temps. Ça y est, frère, elle m'a gonflé ce soir. Ah, vas-y, tu sais quoi, ça va être ça. Bon, je vais aller chercher mon t-shirt. Et je me rentre à la maison. Allez, cousin, à plus tard. Allez, salut, à plus tard. Ouais. Si on buvait un coup là parce que moi j'ai soif. Ok. C'est pas ce quoi là. Wow. Ouais, j'ai soif quoi là. Oui, Amy. Ouais, c'est moi. Dis, faut qu'on se voie de suite là parce que c'est passé 2-3 trucs bizarres hier et je te crois maintenant. J'ai pas cru te voulu te croire même encore hier. Et en rentrant à la maison, mais il y a eu des choses bizarres. Donc du coup je vais rentrer, je vais arriver. Hein. Ouais, je crois, on va en parler parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas nets. Allez, à de suite. Ouais. Bon maman, je sors, j'ai une journée résidée. J'ai quelque chose à te dire. Je sais comment faire partir l'esprit. Ok, comment? Il faut appeler d'abord Jacob et Célian. Célian, il va arriver, il m'a appelé tout à l'heure. Voilà, et une fois que tout le monde sera là, je pourrai vous expliquer comment faire. Et comment? Et qui peut le faire? Toi. Toi seul peux le faire. Et personne d'autre. Mais il faut que Célian et Jacob soient là. C'est quoi, Jacob? Voilà. Si j'appelle Jacob. Allô? Ouais, Jacob, ça va? Ouais, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, dis-moi, tu peux venir chez moi, s'il te plaît? Pourquoi? Ma mère a un délire là. Enfin, ça me fait un peu peur, je t'avouerai, mais tu me connais, tu vois. Attends, j'entends mal. Ouais, c'est bon. Tu me connais quoi, ça me fait un peu flipper, je t'avouerai. Et ça serait cool que tu puisses venir à la maison. Ok, bah écoute, je vais arriver. Ok, bah t'arrives. Ouais, j'arrive. Ok, bah il y a ces lions qui arrivent. Et désolé pour ce matin, grave, j'étais un peu sur les nerfs, je t'avouerai. Comme t'as pu le voir. Je comprends, en force. Hein. Bon, je vais pas tarder à arriver. Ok, ça marche. Je suis en train de manger et après j'arrive. Bah viens maintenant. Maintenant. Ma mère a son truc là, elle va nous expliquer. Oula, c'est chelou. Ouais, apparemment ce lion, pas qu'il est au courant, mais d'après ma mère. Je sais pas, ça a l'air bon pour lui, pour le faire, je sais pas quoi. On va voir ça, hein. Ça va bien. Bon, j'arrive. Okay. Je viens de finir de manger. Ok, à de suite. Bisous. C'est bon, j'ai eu Jacob. Il arrive. Salut. Ça va? Ouais. Tu m'as appelé de nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu m'as appelé pour le. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est vrai, j'ai vu un appel à ton nom, tout ça. Salut. Salut. Ça va? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben, déjà, Seigneur m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, hier, quand je suis parti, on s'est fâché un peu avec Mister. Et je suis rentré et dans la forêt, ben, j'ai eu des choses, des trucs bizarres dans la maison. Des trucs bizarres, donc des livres qui se sont cassés la gueule tout seul, alors que je suis en train de boire mon petit verre tranquille avant de me poser. Et il s'est passé un truc dans la salle de bain, c'est que j'ai le séchoir qui s'est foutu en route. J'ai voulu ouvrir la porte parce que la porte s'est fermée de signification sur moi.
voulu la repousser, ça a forcé, et après j'ai pu ouvrir et le truc s'est éteint. Et après, bon, j'ai pas trop fait regard parce que je vous ai dit que ça a été un problème d'électricité, et je sais pas, j'espère que c'est pas ça. Parce que, mais t'avais raison. Moi, du coup, oui, t'avais raison, effectivement, ça faisait des choses bizarres. Mais, j'attends même encore. Le souci avec toi, c'est bien que t'es jugé trop vite. Je ne vais pas trop vite. J'ai une capacité. J'ai une capacité qui est comme ça. Il croit pas. Non, mais je crois pas. Ton fils, il ne croit jamais. C'est un truc de fou. Pourquoi tu voulais. Pourquoi là ? Il faut se tenir la main. Pense fort à quelque chose, à quelqu'un. Ferme les yeux. Je ne le sentirai pas. Tant que la vérité ne sera pas là. J'ai peur avec leurs trucs là. Je comprends pas pourquoi ce qu'ils arrivent à aimer. Depuis qu'elle a ça, depuis qu'elle a reçu. Il n'y a rien de ça, tout à l'heure. C'est une blague, elle va pas vous toute seule, là. Ça va mal. Amy ! Émir ! Amy ! Amy, ça bouge, la boîte ! Rien. C'est quoi, ça ? C'est moi, ça ? Non, mais c'est une blague ! Amy ! Vous entendez un bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, attendez, attendez, vas-y, va voir. Amy, ça va ? Amy ? Amy ? Amy ? Amy, il se passe quoi ? Allô, Amy ? Qu'est-ce qu'il y a ? Amy ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. T'as entendu ? Oui, j'ai entendu, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Amy ! Oh, elle est lourde en plus. Amy, qu'est-ce qui lui arrive ? Amy, tu m'entends ? Maman, amène un verre d'eau ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Faut que je mène un verre d'eau ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, je vais voir vite. Amy, vite, un verre d'eau, elle est inconsciente, elle est sur le lit, dépêche-toi ! Oui, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Dépêche-toi, elle est là, elle est là. Elle est inconsciente. Amy ! Amy ! Oh, je vous parle ! Amy ! Allez ! Réveille-toi ! Allez ! Allez ! Oh ! Incroyable ! Amy ! Amy ! Amy ! Réveille-toi ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Amy, elle se réveille pas ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce Amy ! Je t'ai porté le verre d'eau ! Allez, Amy ! Amy ! Amy, réveille-toi ! Amy ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi tu as dû ? Allez, Amy ! Amy ! Réveille-toi ! Amy ! Eh bien alors, eh bien, tu nous as fait peur. Qu'est-ce qu'il nous fait dans ma chambre ? Mais je sais pas, tu étais par terre, c'est Diane qui t'a trouvé par terre. Tiens, bois un verre d'eau, c'est ramé. Tu peux boire ? Mais bois un verre d'eau. Bois. Je sais pas ce que t'as eu là, mais c'est chelou. Hein. Bois le verre d'eau. Je peux pas boire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu nous as fait peur. Oh là là, monsieur, tu m'as fait peur. Hein. Oh là là. Folle celle-là. C'est chaud et tout, je suis quand même pas bien. Depuis ma fameuse inconscience de tout à l'heure, je me suis vue dans le miroir. Mais pas moi, il y avait moi et moi. Enfin, il y avait deux moi. Enfin, il y avait moi normal et moi pas normal. Tu veux dire que t'as été en double ? Ouais, exact. Ah bon, c'est pas possible ça. Bah, c'est pour ça que tu t'es cassé la gueule ? Ouais. Et elle m'a dit, tant que la vérité sera pas dite, elle partira pas. Elle partira pas ? Non. Il faut pas la quelle vérité ? C'est rien moi. J'ai quelque chose à vous dire, les enfants. Quelque chose de très important. Et ça te concerne surtout toi, ma fille. Très, très important.